Alors, on va continuer avec Montaja Sacre, qui est dramaturge, traducteur et professeur de théâtre, qui a obtenu un doctorat en études théâtrales de l'Université de Paris 8. Il a enseigné le théâtre à l'Université de Damas, à l'Institut d'art dramatique de Damas et à l'Université Lyon 2. Il a écrit des romans, des essais, des pièces de théâtre et il travaille comme traducteur. Et auteur, et je suis ravi de t'entendre. Merci pour cette. Après, moi, j'ai pas de texte à dire, en fait, j'ai quelque chose à dire directement, parce que je trouve que c'est un sujet assez riche et assez long à expliquer, à analyser par la suite, peut-être à enrichir au cas où il y aura une duplication. La transformation et la mutation du jeu d'acteur dans le théâtre syrien entre la scène et l'écran. Bien sûr, la scène, c'est le théâtre, l'écran, que ce soit le cinéma ou la télévision. Vous êtes bien d'accord? Bon, quand je proposais à Romain, je voulais travailler sur Joan Jeanne. C'est un auteur qu'on ne connaît pas en France, mais il m'a dit, je trouve que ce sujet, c'est beaucoup plus adapté à l'esprit du colloque, ce qui est normal. Donc, je vais faire logiquement, ce sujet impose un aperçu, une introduction historique de ce que c'est que le jeu d'acteur, parce que le théâtre en Syrie, comme dans le monde arabe, a commencé avec Abou Khalil Qabbani, qui a été chassé de Syrie, qui est parti tout le monde sait l'histoire, sur Khedewi, il a fait du théâtre avec la même troupe syro-libanaise, qui sont partis, se sont installés au Caire. Ensuite, il a fait du théâtre aux États-Unis, si vous voulez, à l'époque, parce que c'était pour une médiation pour le sultan d'aller faire des spectacles même aux États-Unis. Le jeu d'acteur de l'époque. On ne peut pas parler de jeu d'acteur, on peut parler plutôt de l'improvisation, des hommes qui jouaient des rôles de femmes, vice versa, et c'est des bénévoles plutôt, qui étaient pourchassés par un référendum, comment ça s'appelait, le Faraman, le sultan. Les marchands de Damas se sont allés chez le sultan à Ankara pour dire que ce jeune, enfin, sultan Singh, est en train de corrompre les mœurs à l'époque. Voilà. Donc, pour le perçu historique, ça c'est Sahel Marjé, la place Marjé, théâtre Fleur, Sahel Zahra, un des anciens théâtres de l'époque. Maintenant, malheureusement, ça a été brûlé dans les années 40, 60 et détruit. Maintenant, c'est le centre de Damas, mais il n'existe plus le théâtre de Damas. C'est le premier théâtre dans la vieille ville, Sahel Marjé. Là où il y a eu les premières même projections cinématographiques et même et toujours ce sont des auteurs et des comédiens bénévoles. Donc si on peut commencer par avec l'esprit du colloque, le jeu d'acteur, c'est qu'en fait il n'y avait pas de méthode. On essayait de dire la diction, la poésie et surtout la poésie de répertoire de la tradition de la culture classique Charles Arabi. C'est ça ce qui, Antara, Zir Salem, ce sont des histoires connues, populaires, qui étaient révélées à la scène. Bon, je passe directement à cette date qui est très importante en 59. 59, tout le monde sait qu'on était, bon, on vivait ensemble avec l'Égypte, sur le même pays, dans l'Arabie Moutahida. Il y avait un arrêt à l'époque, de même français, de fonder la première troupe de théâtre. Et cet homme est très important dans l'histoire de Syrie, il s'appelle Abdel Fattah Abdel Latif Fethi. Lui, il a fait une transition du jeu d'acteur, même l'accent syrien. Il a commencé à tachouim, c'est-à-dire faire le théâtre en damassan, au lieu de faire le théâtre en égyptien, parce que 70% des troupes à Damas étaient des troupes égyptiennes, ou bien égyptiennes et syriennes à l'époque. Et à l'époque, Abdel Hakim Amer, c'était le dirigeant de la Syrie, un délégué
Benacer, il a dit la moitié du peuple, c'est des Égyptiens. Donc on vivait avec une culture influencée de la culture, en fait, on était sous l'influence de la culture égyptienne, il faut dire. Donc on commençait avec, même Shakespeare, il faisait Shakespeare avec l'accent égyptien. Tellement l'Égypte était présente, surtout avec Farid Atrash, avec les premières, si vous voulez, générations des artistes syriens et égyptiens à l'époque. Même Omar Sharif, c'est un Syrien. Exactement, exactement. Même Esmahan, beaucoup Esmahan, d'échanges. Voilà. Même 80% des Libanais sont syriens, vice versa. Il n'y avait pas de frontières à l'époque, enfin, même psychologiquement, si vous voulez. Même de la Daham, il a joué dans des feuilletons. De Daham, qui est un amateur, hein, qui vit toujours, un des anciens. Il est amateur. Elle était amateur quand elle est jouée dans les films égyptiens. Lui, il a fait une licence de physique, une licence chimique physique. Après, il a été recruté par lui. C'est lui qui l'a choisi avec Abou Antar, avec Yassine Barkouche, ouais. Toute cette troupe. Lui, donc, il a fondé cette troupe et ils ont commencé à faire du théâtre, bon, avec des traductions, sûrement, parce que le peuple ne parle pas anglais comme il faut. Voilà aussi, cette date est importante, 60. Parce que par la suite, il y a eu la création de la troupe de danse, troupe de. Bon, après l'Institut d'art dramatique, beaucoup de. Si vous voulez, on commence à être présent sur la scène. Artistique. Monsieur Craet, vous avez parlé hier de trois générations. Dans les précurseurs, les années 50 et 80, on commence à faire à fonder des institutions. C'est le cas. Maintenant, on commence en Syrie à sensibiliser les gens à travers la culture. Et l'État à l'époque, en fait, faisait de théâtre comme un moyen d'éducation. C'est comme ça que Sa'dallah Wannous, Farhan Bulbul, Abdou Hadouan, Farhan est toujours vivant, enfin, c'était un de nos profs. Abdou Hadouan, j'ai eu la chance de fréquenter quand même, sa famille a fait une première maison d'édition qui s'appelle Dar Abdou Hadouan pour les éditions de théâtre. Maintenant, ils sont en Allemagne. Du coup, c'est cette jeune génération qui. C'est pas qui a parlé hier, c'était en fait, ils ont commencé même avec, bon, à l'époque, enfin, c'était l'ancien régime, mais ils ont commencé même dans des revues locales, même, ils ont même exercé une sorte de censure, parce que c'était les seuls. Même Zakaria Tamer a écrit dans le Ba'as et Saoura. Après, ils ont pris une position différente, avec la corruption, avec la prise de pouvoir, en fait, par les militaires, ou, vous voyez, ils ont changé par la suite, c'est normal, c'est leur liberté. Mais ils ont commencé par l'État et ils ont profité d'une bourse annuelle. Parce que Mahrajan Dimashq al-Masrahi, qui a commencé en 79, a commencé à produire Farhan Bulbul, un spectacle ou deux à Homs. Il a fait le théâtre des ouvriers. C'est comme ça qu'on a eu, heureusement, il y a eu des bourses et on a eu, si vous voulez, l'effervescence théâtrale. Mahrajan Dimashq al-Masrahi, j'ai des amis encore qui vivent, dit on dormait dans le théâtre. On recevait à 5 heures du matin. Parce que, en fait, les guichets étaient tellement pleins, les gens venaient. Il n'y avait pas encore l'influence de la télé, j'y arrive. Maintenant, la télé a tout gâché, malheureusement. Côté jeu d'acteur. Voilà, en fait, c'est tout le monde la connaît. Elle a joué dans le Rissal, Al-Aqad, elle a commencé à faire du théâtre. Maintenant, elle ne fait plus depuis, j'imagine, 30 ans. Mais elle joue dans les feuilletons, elle Heiba. Oui, les télévisions. Taïm Hassan, oui. Parce que c'est hyper bien payé. Ouais. Une grande comédienne, mais quand on commençait par le théâtre. Ouais. Par le théâtre, elle était amatrice. À la Shaukat aussi. Il y a des noms, malheureusement, moi je déplore ça. On laisse tomber. On ne fait pas de la recherche. Hier, j'ai évoqué cette question. Il n'y a pas de laboratoire. Pourquoi pas ? Laboratoire de théâtre. On reçoit un auteur, un comédien. Marocain, un vidéo qui nous parle de son expérience. Pourquoi on dort? Pourquoi on dort dans notre monde arabe, dans nos centres de recherche, dans nos universités? On enseigne que la femme chez les Al-Qabbali, Al-Ard and Mahmoud Darwish, Masrah al-Tassin and Sa'adallah. On en a marre, on est étouffé par la répétition inventée. Laissez donner la parole aux jeunes. Il y a Abdel Fattah Qalaj, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Il y a 2 ans, il a créé un article, il m'a dit, on en a marre de Sa'dallah Wannous. Après, la rue culturelle, elle était divisée. C'est un symbole et tout. Il a dit, c'est un symbole quand il est mort. Il a été délaissé toute sa vie. Ouais, ouais, ouais.
Moukarram Takrim rendu hommage en Égypte en 82. Il l'a dit, il y a un article de Sardar là-dedans. Et c'est comme ça, malheureusement. Oui, tant que vous vivant, vous êtes, vous valez rien. Mais on ne peut pas dire on a marre de Shakespeare ou Molière. Ou... Il y a que dans c'est un avis personnel. Mais il n'y a que dans le monde arabe où on essaye de... Peut-être on peut discuter après. Hein, vous, avez raison, va... vous avez raison, mais il a dit, il a, lui, il a dit, il est libre de dire ce qu'il veut. Mais il a dit, il n'y a pas que lui, il y a nous, il y a les auteurs, les jeunes. C'est dans ce sens-là. Oui. Parce qu'il y a dans chaque article, dans chaque revue. Bon, après, c'est son avis, moi. Il est libre, moi. Alors là, il faut... En fait, quand on passe par le jeu d'acteur, il faut parler de Fawaz Sajel. Malheureusement, il est mort très jeune, à 40 ans. Et il a fait l'école de Gitès. C'est le premier qui a eu le Gitès. Même, il a eu cette chance de jouer en Russie, de faire des théâtres là-bas. Fawaz Sajel, il était l'ami fidèle, enfin, intime de Sardallah, et il a joué un grand rôle dans la mise en scène de ses pièces, même dans l'écriture. Al-Malek ou Al-Malek. Il a dit, Sardallah, toi tu écris pour la littérature. Là, il faut orienter ton écriture vers la scène. Il avait l'expérience de la Russie, de la formation de l'acteur, de Stanislavski, et c'est lui qui a fondé les règles, si vous voulez, de l'enseignement de théâtre en tant qu'art. Parce qu'avant, que ce soit Nabil Malek ou même Sardallah, les fondateurs de l'Institut d'art dramatique, ils ont commencé avec en fait des expériences, des textes encore parus récemment et traduits par Adonis, Racine, Molière. Il n'y avait pas tellement de répertoire, pas d'auteurs. On commence avec les nouveaux et on commence à jouer les classiques par les textes qui nous viennent de l'Égypte et du Koweït, à peu près, en 69. L'Égypte aussi, ils avaient une bonne production. Et Fawaz Sajel, il a dit, voilà le jeu d'acteur, c'est comme ça qu'on enseigne le réalisme psychologique. C'est comme à la russe. Il a dit, moi je suis formé en Russie, j'ai fait ce théâtre, alors il faut dire. Et jusqu'à présent, on subit l'influence de Sajel sur la nouvelle génération des metteurs en scène qui ont été formés par lui. Donc Fouad Hassan, qu'on a invité dans ce livre collectif qu'on va présenter aujourd'hui. Il y a aussi entre-temps Marjan Dimashq al-Masrahi. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'archives sur lui. En 2010, c'est la dernière session. 2010, j'étais en Syrie à l'époque, on était ensemble sans se connaître, malheureusement. Marjan Dimashq al-Masrahi, c'était l'occasion pour le jeu d'acteurs syriens, les acteurs syriens, de voir le jeu d'acteurs arabe et occidental. Pourquoi ? Parce qu'on invitait beaucoup, vous savez, surtout les années 86, c'était arrêté malheureusement, jusqu'à 2010. Jusqu'à 2000, il y avait une rupture. Et depuis, il n'y en a pas, parce que c'est la guerre. Depuis 2010, c'est fini, apparemment. C'est post-guerre, c'est un autre pays maintenant. C'est un autre jeu d'acteurs, c'est autre chose. Vous voyez, on vit dans des temps. Moi, je vois, c'est comme des périodes dans le temps. Le pays, on le voit, on le vit, selon le temps, selon les périodes de tranches, 10 ans, 7 ans, malheureusement. Mais là, je crois qu'en fait, même les Tunisiens sont venus, les Libanais sont toujours. Il y a un aller-retour, les Jordaniens, c'est l'occasion pour le comédien syrien de voir autrement les choses. Parce que dans nos archives, dans l'Institut d'art dramatique, je sais de quoi je parle, j'ai enseigné de 2009 jusqu'à 2017, date mon arrivée en France, on n'a que le répertoire classique. Shakespeare, Mnouchkine, Molière, Ibsen, c'est un peu de répétition quand même. Donc, malheureusement, depuis 2010, c'est arrêté, mais on compte sur les archives des professeurs enseignés par leurs propres moyens, par les... Moi, j'en vois toujours. Maintenant, heureusement qu'il y a YouTube. Maintenant, pour voir des... Pour se former aussi. Ça peut aider comme un moyen. Pas une solution. Donc, le jeu d'acteur, quand je parle de jeu d'acteur, il faut parler du lieu où a lieu ce jeu d'acteur. En 82, ils ont déménagé avant de commencer à Doma. Doma, c'était un institut, l'ancien institut, en 71. Il a commencé, même avec Sardallah, Nabil Malek, même Marilias qui est toujours vivant. Ça, c'est l'opéra de Damas. Juste à côté, c'est le même lieu, la Suite d'art dramatique, qui, ben voilà, c'est l'entrée principale où il y a les salles. Il y a les salles de Sardallah, on a rendu hommage en appelant les salles. Allez. Voilà, nous avons le département de jeu d'acteurs qui forme les futurs comédiens, partant d'études théâtrales, département de scénographie, donc c'est Sarissan 2006. Technique théâtrale et de danse, département de musique. Ils sont ensemble, tout. C'est le lieu unique où on forme les acteurs, les danseurs. Encore, il y a une sorte de liberté qui n'existe pas dans la rue, qui n'existe pas même pas dans l'université. Moi, j'ai enseigné à l'université, et le conservatoire. Je voyais la différence.
les filles commencent à habiller, les discussions avec les étudiants. Un texte, par exemple, j'ai monté avec mes amis, mes étudiants, un texte de Coltès qui parle de sexe. Là, on ne peut pas le faire ailleurs, par exemple. On ne peut pas demander à dans l'université ou dans la... Il y a la censure politique, mais la censure religieuse, bien évidemment. On ne peut pas demander à un comédien d'embrasser une comédienne. C'est très difficile en série, enfin, depuis les années... Peut-être que, à l'époque, je ne sais pas quand c'était permis, mais c'est compliqué. On peut. Pourquoi ? Parce qu'ils le vivent déjà. Ça fait partie de leur quotidien dans ce lieu très convoité par les acteurs. Le jeu d'acteurs, si vous voulez, pour choisir ou sélectionner 20 comédiens, il y a entre 4000 et 8000 candidats. C'est très difficile. Moi, j'ai enseigné dans études théâtrales, scénographie et danse. Bon, danse, scénographie, plus ou moins, mais plus dans études théâtrales, des matières plutôt théoriques et pratiques. Et je trouve que le jeu d'acteurs chez nous, le problème, le jeu d'acteurs, il y a eu des... En fait, c'est un jeune qui est maintenant comédien. Maintenant, il faut... C'est plus facile de parler avec un ministre que parler avec un comédien connu. C'est ça ce que je voulais arriver à ça. Parce qu'ils sont dans les répétitions, ils rêvent à la télé. La télé, vous traversez. Sahat al-Abbasi, Sahat al-Sham, Sahat al-Mouyin, les Amoyades avec le... Vous traversez, c'est la télé. Bon, entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous êtes en première année, vous avez des offres, des contrats. Il y a les mêmes cafés, Hatem Ali, Marhoum, il est mort en Égypte. Je le voyais avec un journal ou avec 5, 6, 10. Pourquoi ? Parce que c'est un recruteur, il recrute des gens de talent. Voilà. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le jeu d'acteur, il est fabriqué dans le théâtre pour arriver à la télé. On va voir comment. Je vais donner des exemples. Voilà des scènes ou bien des pièces contemporaines ou à la mode et tout. Donc, moi, j'ai présenté, si vous voulez, à l'écrit, enfin, si vous pouvez lire un peu, en fait, en gros, il y a eu, si vous voulez, depuis la création de la première troupe de théâtre, aussi la création de cet institut d'art dramatique, qui malheureusement, est unique. Pourquoi pas à Alep, il n'y a pas. Pourquoi pas, il n'y a pas à Latakia ou dans les grandes villes, malheureusement. Bon, moi, je parle de. Avant 2010, il y a eu des réclamations, mais bon, dans le vide, malheureusement. Et si vous voulez, dans le problème qui a affecté le jeu d'acteur, c'est l'arrivée, le financement des feuilletons. Maintenant, l'acteur qui est formé dans l'Institut d'art dramatique, il va vers les contrats, vers les feuilletons. Nous, ça, c'est la Ramadani, et pendant le Ramadan, il y a au moins, à l'époque, c'était 50 feuilletons. Moi, je connais beaucoup de comédiens qui annulent les pièces de théâtre. Il n'y a pas de production pendant le Ramadan, même avant, 3 mois avant. Pourquoi ? Parce qu'ils sont à Palmyre, bon, au cas où, quand c'est calme maintenant. À cause de la guerre, ils ont tourné à Beyrouth, comme au Caire, comme... maintenant, c'est le Golfe. Comme il dit, l'imam Aizine, il dit, « Aizine, il faut aller au Saoudi. » Maintenant, tout le monde va... Malheureusement, il y a une immigration énorme. Et ça va affecter la vie théâtrale, même... J'ai passé les écrits parce que je n'ai pas dit ce qu'il faut dire. En fait, ça, c'est le roi à lire. Voilà, c'est une question qui... Je ne peux pas avoir 5 minutes de plus pour négocier avec moi. On est un petit peu... Donc, c'est ça la question. C'est en fait, que se passe-t-il lorsque l'acteur joue tant de rôles dans le feuilleton télévisé et soudainement, il fait du théâtre ? C'est ça la question. C'est qu'en fait, il perd ce repère. Il perd aussi les moments de silence. Les moments silencieux, selon le cinéma, moi je dis toujours aux jeunes, allez voir le cinéma iranien, ça vous apprend, Majid Bajidi, Rustami, ça vous apprend comment la prise, comment on peut révéler par le silence, par le regard, et non pas par la parole. Ça c'est le roi lire, mise en scène de Fouad Hassan, qui fait partie du livre aussi, qui a été interrogé avec nous, sur Théâtre Al-Hamra, et on voit que, en fait, c'est plutôt des anecdotes dans le théâtre. C'est ça. Ils ont dit, il y a trop de télé dedans. Malheureusement, on me donne que deux minutes. Voilà, j'ai pas... Donc le rythme est rapide, on assiste à un spectacle. Ceux qui ont joué savent qu'est-ce que ça veut dire. À un moment donné, il faut s'imposer, il faut créer un rythme, il faut que ce soit dramatique, non pas revu dans la vie quotidienne. Si vous pouvez voir maintenant, après, par la suite, on va voir le... Même la scénographie a été critiquée comme quoi c'est des atemporels.
Supermarket de Emmanuel Zidane, pourquoi j'ai choisi Emmanuel Zidane? Parce que lui-même, il a dit, le spectacle a été joué trois fois, 92, par lui-même, enfin, sa mise en scène. 2011, j'ai assisté à 2011, forcément, j'étais là-bas. Et l'année dernière, enfin, c'était 2021, j'étais pas, mais j'ai vu des extraits. Il dit, malheureusement, le jeu d'acteur a changé. Maintenant, on joue plus télé. Lui-même, il a des articles sur lui, enfin, qui dit ça. Pourquoi? Parce que l'acteur n'est plus le même. On n'a plus un metteur en scène qui peut maîtriser le jeu. À peine on arrive à avoir des moyens. Heureusement qu'on fait des théâtres. Hier, un jeune homme, il a dit publicité. Mais heureusement qu'il y a quand même. Heureusement, il y a quand même, malgré toutes les difficultés, ils font du théâtre. Voilà, Supermarket, c'est un... une pièce de théâtre de 2021. Qui a été joué où? À Damas, en Syrie. Théâtre, voilà. Et après, en fait, si vous voulez, dans une scène où on raconte l'histoire, après il va, il raconte, en fait, il passe au dialecte pour passer à autre chose. Même le metteur en scène lui dit, mais c'est hors sujet, c'est hors scène, mais c'est pas grave. On ne peut pas le maîtriser, ça. On n'est pas devant l'écran. On peut couper, reprendre, refilmer. Abd al-Bahar, c'est Amjad Fouda et... Peut-être vous pouvez conclure maintenant. Oui, je vais conclure avec cette... cette... Majid Fouda, qui est jeune, qui est très actif déjà en 2018, Slovic Mrozek, c'est un auteur de théâtre tchécoslovaque. Donc cette pièce où on n'a aucun moment de silence. Vous me posez la question, où est la limite entre télé et théâtre? On peut voir juste une minute? Mais comment faire pour Internet? Quitte. Ah, il est là. Copie-le. Copie, il faut copier. Ah ben voilà. Après, je peux dire que c'est ce phénomène de jeu d'acteurs entre théâtre et télé existe dans tout le monde arabe. J'ai proposé à Amar, j'ai dit pourquoi pas, en rigolant, enfin, on peut toujours faire un travail collectif un jour, j'aime bien le. Parce que je vois que d'ici. Bon, voilà. Alors ça peut être aussi l'occasion de réunir des comédiens, peut-être des chercheurs pour ce sujet. Parce qu'on joue mal, en fait, on joue différemment entre les deux. Et c'est bien d'interroger des comédiens qui jouent entre les deux. Et c'est souvent comme Zidane qui a fait une richesse dans la télé, deux il revient. Deux heures. Ah non, non, non. Là, j'ai monté le son. Parce que hier, Saïf, j'étais sensible à la remarque de Saïf, est-ce qu'on parle que de guerre? Oui, jusqu'en 2015. Depuis 2016, on en a marre. Depuis Anna Akash, les femmes qui racontent des images sur la guerre. Maintenant, on parle d'autres choses, on monte le répertoire national ou bien international, en évoquant des phrases de la guerre. Les deux, Yasser, j'étais un de mes étudiants, deux, ils sont connus, Khazak, la famille Khazak, maintenant, malheureusement, il y a des familles artistiques. Comme la famille Zidane, la famille Khazak, Masoud, c'est devenu une ferme artistique. Je suis désolé de dire ça, mais c'est comme ça. Il faut dire les choses telles quelles, c'est pas le top. Mais bon, il y en a des talents. Alors là, on voit qu'il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de rythme au théâtre. C'est toujours très rapide, très dense, très anecdote, très même hors sujet, hors texte. Même plus ou moins, on va dire. Et ça, c'est un phénomène dans le jeu d'acteur actuel depuis... Même depuis 10 ans ou 15 ans, on joue selon, dans une langue populaire, Mahdiya Darija, et on ne joue pas des moments de tension, même le texte, Mademoiselle Julie par exemple, a été joué rapidement, on n'a pas vu cette charge, Mademoiselle Julie, Sundbeck, c'est très beau ce rapport entre Jean et Julie, comment il y a ce... Bon, je ne vais pas raconter la pièce, mais c'était banal parce que je ne vais pas dire qui c'est, parce que c'était des comédiens qui faisaient beaucoup de télé. Et
un de nos amis à l'époque 2010, Aja, je crois qu'il était doyen à l'époque, c'était, bon, il est toujours comédien, metteur en scène, il a dit, puisque vous faites que de télé, on forme les acteurs pour aller à la télé, autant faire à l'Institut d'art dramatique pour la télé, d'art télévisé, honnêtement.